de soirée musicale la semaine dernière à l'atelier musique de Romba. L'association a organisé en effet la finale du concours de chant, initié dans le cadre de l'opération Macadam Sport. Annulée en raison du mauvais temps en été, cette fois pas de problème, elle a bien eu lieu. Alors qui de Célia, Lorraine ou Manon chez les juniors, et de Saïda, Thomas ou Fanny chez les seniors est reparti avec ce diplôme. Pour le savoir, un petit peu de patience, voici tout d'abord des extraits de leurs prestations. Cela n'est qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point à lever, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse, mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le point à lever, fais la tête, oublie le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Mais nos peines, nos différences, et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Tu auras ton âme, femme brune, du ciel répondit la pleine lune, mais il faut me donner ton enfant le premier né. Il te sera né. Celle qui pour un homme, son enfant immole, bien te l'aurait aimé. Right under a cloak.
Voilà, vous les avez tous en tête. Alors, si vous êtes fan de Célia, tapez 1. Si vous préférez Lorraine, tapez 2. Non, en fait, les jeux sont faits. Le jury, après de longues minutes de délibération, a voté pour... Suspense. On vous propose en attendant quelques extraits du concert donné au cours de cette soirée par les professeurs de l'atelier, Antoine, Mathieu et Pascal. On se retrouve juste après ça. Je me suis dans le bord de ma nature. Pour ma peine, ma punition. Oh, hey, moi je te du verdict. Dans la catégorie junior, c'est finalement Lorraine Nigro d'Amnéville qui remporte le concours. Dans la catégorie senior, la première place est revenue à la rombasienne Fanny Rical. Toutes nos félicitations aux deux lauréates. Elles repartent chacune avec un diplôme, l'enregistrement d'un CD, un titre en studio et le droit de se produire sur le prochain Carpodium organisé à l'occasion de la Fête de la Musique 2011 à Rombas.